Maybe Baroni could get started. Okay. Other people may join when we started. Okay. Alors, en français d'abord, bienvenue tout le monde. Je suis très heureuse que nous puissions nous rencontrer à travers cette vidéoconférence. Pour moi, c'est une première. Pour l'école Ouachette Souffrance, c'est une première. Et nous sommes très heureux pour cette grande première d'accueillir Maître Ouachi. Nous avons traversé une période un petit peu délicate pour tout le monde, pas seulement pour nous ici, mais aussi pour la France, l'Europe et le monde. C'est aussi une première, effectivement. Et je pense que c'est important de prendre conscience, bien que l'on soit connecté à soi et à sa famille et à ses amis, que c'est vraiment quelque chose de planétaire, que nous partageons tous. Nous sommes tous plus ou moins dans le shiatsu ou dans des pratiques de bien-être, si nous sommes ici, je pense. Et nous devons prendre conscience, c'est important, que c'est un moment où nous avons été tous connectés. C'est ce que nous recherchons dans notre travail, n'est-ce pas? Alors, ça a été des moments d'inquiétude, des moments de questions, parfois des moments de peur. Mais je pense que derrière tout ça, il y a une transformation qui est en cours à l'intérieur de nous, et il faut bien le penser à l'intérieur de tous. Et j'espère beaucoup que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais qui va s'ouvrir sur de nouveaux horizons, de nouvelles pratiques, un nouveau lien les uns avec les autres. Du moins, je le souhaite. Maintenant que nous sommes plus ou moins retrouvés, nous avons une bonne dizaine d'étudiants qui ont du mal à se connecter. Donc, je vais vérifier qu'ils peuvent rentrer. Je voudrais donner la parole à Maître Ouachi, mais je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que certains d'entre nos étudiants arrivent à se connecter. Ouachi, I would like to introduce you, but before maybe we must wait a little for the other participant of the school because it's important for them to hear about you, to see you. Very important. Sure, no problem. So maybe by waiting, if there is some people here who have a question or something you want to ask to Ouachi or to the school, or it is the moment. We are all together. I'm very happy. Thank you, Rosanna, to be there. Rosanna was my first teacher. Merci à tous d'être ici. Et en attendant, je me dis que peut-être ce serait bien s'il y en a qui ont des questions à poser à Ouachi ou des questions à poser à l'école. Et en tout cas, je remercie Rosanna d'être là puisqu'elle a été mon premier professeur de Ouachiatsu et que c'est grâce à elle que l'école française a pu commencer. Thank you. Voilà, donc je vous propose en attendant de... Les autres participants, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, voilà, qui souhaiteraient poser une question à Ouachi par rapport peut-être à cet événement particulier et à ce qui nous attend pour la suite? Je le lui demanderai tout à l'heure, mais c'est peut-être le moment si vous avez quelque chose à demander. Bonjour Judith, bienvenue. Mettez vos micros parce que on ne vous entend pas. Je vais... Bonjour Véronique, merci pour cette invitation. Merci à toi d'être venue. Merci. Je remets en muet pour ne pas faire de son parasite. D'accord. Nous avons une dizaine d'étudiants qui n'arrivent pas à se connecter. C'est quand même très dommage.
Nous prenons encore 2-3 minutes et puis nous commencerons. Merci pour votre patience. Ok, je pense que nous allons commencer. I think we can begin now. Good. So, thank you, Ohashi, for being there. Thank you very much for this first video conference in France. Je ne sais pas, I don't know if anybody knows Ohashi, I think so, but I know that a lot of students never saw you. Je sais que beaucoup d'étudiants ne vous ont jamais vu. Et je serais très contente que vous puissiez vous présenter un peu. Can you present yourself and tell us how did you do, how did Washiatsu came, arrive on Earth? Comment est-ce que Washiatsu est arrivé sur Terre? Pour l'instant, peut-être pour commencer. Yeah. Thank you so much for your introduction. May you speak, can you tell us how Washiatsu arrived and how yes. Yes. Became? Well, this program, 1974, I established Ohashi Institute as non-profit educational organization. En fait, Ohashi a créé en 1974 OHI, qui est une organisation bénévole. 1974, if you remember, lots of chaos in America and all over the world. Si vous vous souvenez bien, à cette période-là, il y a eu beaucoup de... Est-ce que quelqu'un sait? Je ne connais pas ce mot. Chaos. During the during Vietnam War. Ah, à cause de la guerre, la prime. And lots of people so poor, especially in New York. Beaucoup de personnes très très pauvres et particulièrement à New York. And then lots of riot. Et beaucoup de riot. Riots, yeah, demonstrations. Anti-government strike. Et beaucoup de bagarres entre les manifestations. Manifestations, merci. Je veux bien yes. Un petit peu d'aide parce que j'essaie de faire entrer les personnes en même temps. C'est pas facile. Merci, Judith. In Paris, as you remember, Culture Latin, Sorbonne University student, famous riot. Il y a eu beaucoup, beaucoup, même à Paris, de toutes ces manifestations en particulier. Well, that's the year I established this non-profit school for Touch for Peace. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu introduire cette école, le Toucher pour la Paix, une école à non-profit. Many people ask me, Ohashi, it's not Touch for Health. Why are you calling Touch for Peace? Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais Ohashi, pourquoi n'est-ce pas le toucher pour la santé? Pourquoi est-ce le toucher pour la paix? Of course, I touch people for their health, but to make one person healthy brings a happiness and peace within himself. Bien sûr, je fais un toucher pour la santé, mais pour pouvoir toucher cette personne et qu'elle puisse devenir en bonne santé, il faut qu'il y ait cette paix. And then he himself brings a peace to other people and to the country and to the world. Ainsi, cette personne par elle-même ensuite va apporter cette paix non seulement à lui-même et aux autres, mais aussi à tout le pays et au monde. We have a beautiful red
flag. On a un très très beau, comment dire, drapeau rouge, pas drapeau, mais enseigne rouge. As you remember, Ohashiatsu, touch for peace. Comme vous vous souvenez, avec écrit dessus, Ohashiatsu, toucher pour la paix. This is the reason why I start teaching 29 different countries. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner dans 21 nouveaux pays, différents pays. I am a kind of a crusader or a missionary for the peace through the touch, by touch to the people. Je suis une sorte de missionnaire de la paix à travers le toucher. And this is the reason why I established non-profit educational organizations. Et c'est pour ça que j'ai fait cette organisation pas bénévole mais à non-profit, de non-profit. This is a wonderful opportunity, and I got great luck to get lots of sponsors and many people support me and help me. Ça a été une grande opportunité, une grande chance. Et il y a de nombreuses personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé dans cette entreprise. 2020, June 2nd. This is today we are now. 2020, juin 2020, c'est notre date aujourd'hui. As you see what's happening here in America. Comme vous le voyez, ça, c'est aussi ici aux États-Unis. And when I see what's happening now all over the world, quand je vois tout ce qui arrive maintenant, tout le monde, I didn't do good enough to spread the touch for peace yet. Je me rends compte que je n'ai pas fait encore assez pour répandre cette paix partout dans le monde. I have a huge responsibility for future. J'ai une énorme responsabilité pour le futur. And I'm really happy to have so many people engaged with me. Et je suis tellement content d'avoir autant de personnes qui se sont engagées avec moi. Actually, I'm going to do more than what I did in the last 45 years. Donc maintenant, je vais faire encore beaucoup plus que ce que j'ai fait dans les années précédentes, dans toutes ces années précédentes. J'ai trois raisons pour cela. Yeah. One, we establish brand name. La première, c'est que nous avons établi, Judith, tu as compris? Bien entendu. We register our brand name. Il a enregistré sa marque déposée. D'accord. Okay. Trademark and brand name. In the future, for your work, your last name is very important. Pour le futur, votre nom est très important. Your modality, the name of modality of what you're practicing is not so important anymore. Parce que le nom de la pratique que vous faites, c'est pas vraiment ce qui importe le plus. Yeah. Don't call you a practitioner of yoga. Don't call yourself practitioner of shiatsu. You are going to be nobody. N'appelez pas cela du yoga ou du shiatsu. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. 45 years ago, I knew this is very important. Je sais depuis longtemps que c'est très important. I insisted. Ohashiatsu, Ohashi Method, Ohashi Therapy, Ohashi Foundation, Ohashi, everything register. Mm-hmm. En fait, tout ce qui a pris mon nom, Ohashi, a pu résister au temps et rester important. Second reason why I have a more future than past. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai plus d'avenir que de passé. Le passé. I have a lot of
so dedicated and so hardworking, so wonderful, very dedicated graduate and certified Ohashiatsu consultant, certified Ohashiatsu instructors all over the world. J'ai partout dans le monde de nombreux et très chers enseignants au Ohashiatsu, des assistants au Ohashiatsu, des personnes qui ont suivi le cursus et qui maintenant peuvent le répandre autour d'eux. Et pour moi, c'est très important. I'm so grateful to these people who support me and who are so dedicated to what they are doing. Et je suis très, très heureux, c'est important, toutes ces personnes qui sont dédiées à l'Ohashiatsu et qui continuent. I am a obligation. I have obligation to return to these people for their benefit for the future. Je dois leur faire un retour pour ce bénéfice qu'ils apporteront dans le futur. We are working so hard to return the benefit to those people who are dedicated to us. Can you repeat? Sorry, Ohashi, because that person... We are working so hard to return the benefit to the people who are so loyal to us. Nous travaillons vraiment très dur et très fort pour toutes ces personnes qui se sont dédiées à l'Ohashiatsu pour le futur. Third. Why we have a future? Quelle est la troisième raison pour laquelle nous avons un futur? Technology changes. Comment? Technology changes. Ah, la technologie. La technologie. Technology. Take a look. Today, I am talking to you from my house in Kinderhook. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler de ma maison à Kinderhook. Nobody knows this small town. Personne ne connaît cette petite ville. 200 kilometers away from New York City. À 200 kilomètres de New York. We have a lot of trees and lots of beautiful flowers. But because of technology, we can communicate to the people like you today. Alors nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de fleurs et pourtant nous pouvons communiquer avec vous à travers cette technologie. We are very, very much a technology investment school in the past. Nous avions beaucoup investi dans la technologie dans le passé et dans l'école. When I started in 1974, I invested special typewriter. En 1974, lorsque j'ai commencé, j'ai investi dans des enregistrements spéciaux. Very, very expensive typewriter. Mm-hmm. Très, très cher. Ah, typewriter, mais yeah. Peut-être machine. You remember, this typewriter is like this way. Vous souvenez? Ça fait ce bruit-là. Des machines à écrire. That time, $600. À cette époque, c'était $600. Oh, no, no. $1,000. Ah non, $1,000. You couldn't believe $1,000 in 1974. Vous imaginez ce que ça représentait en 1974. But I said, go ahead. Mais j'ai dit, tant pis, on fonce. We are the first Shiatsu school in America to use the computer. On a été la première école aux États-Unis à utiliser l'ordinateur. Nobody had a computer. Personne n'en avait. But anyway, we make 20 different DVDs. Mais on a fait une vingtaine de DVD yes. Différents. And we are the first at school to use the video camera in the classroom for tutorial. Et on a été les premiers à utiliser des vidéos tutoriales. But anyway, future is so big because the new technology is coming.
Donc le futur est finalement très grand à cause de, grâce à toutes ces nouvelles technologies. But anyway, I'm a very, very, you know, grateful this moment. I'm so thrilled for our future. Je suis vraiment, j'ai très confiance et je suis très heureux de ce futur qui va arriver. Ok, Roachi. Thank you so much. Thank you. And do you think there will be, according to what happens, do you think people will have another way of thinking? I don't speak about technology, but maybe about the way they can see life they will live, because certainly things will change after all this. Je demande à Washi s'il pense, en dehors de la technologie, qu'il y a des choses qui vont changer. Est-ce que les gens vont vivre un peu différemment? Est-ce qu'il va y avoir une autre manière d'aborder la vie? What do you think about that? This is a great, great opportunity for all of us to change, to be flexible enough to encounter our future. En fait, c'est un grand, c'est vraiment l'occasion d'être flexible par rapport à ce qui se passe actuellement. Social hierarchy is trembling, melting out. La hiérarchie sociale. Sociale est en train de trembler, ça c'est en train de s'effondrer tout ça. And everything must change. Et tout ça, ça doit changer. Like for example, people now don't need to go to work. Maintenant, les gens, par exemple, n'ont pas besoin d'aller au travail. Now everybody find that working the home is a tremendous productivity. Les personnes s'aperçoivent que de travailler de chez eux, c'est une énorme productivité également. Yeah. We are working here in the Kinderhook last 10 years. Nous, on fait ça à Kinderhook depuis les 10 dernières années. But anyway, this is now it's going to be a so-called common practice. It's nothing new anymore. Because of this coronavirus and because of social, you know, disorder, society has to change. Our lifestyle has to change. Donc avec ce coronavirus, effectivement, la société doit changer et la vie va changer aussi, certainement. Next big change for us is people receive treatment at their home. Alors, une chose, c'est que les personnes reçoivent un traitement chez eux. Chez elles. Pardon? Oui. At their home. Chez elles, donc. Les personnes reçoivent un traitement chez elles. Chez elles. Ne se déplaceront plus, si je comprends bien. You mean that people will stay at home and practitioners will go to give them treatment? No. Yes. Yes? You think so? Yes. Oh. Comment? Yes. How is it this possible? Is a very, very going to be a huge business. Ça va être le travail le plus important qui va se présenter, le plus grand changement. Using a technology such as a smartphone. En utilisant la technologie comme les smartphones. Laptop. A GPS. GPS. And self-diagnosis equipment. Et donc des diagnostics sur eux-mêmes en fait. Nowadays, not only temperature. Pas seulement de la température, blood pressure, pression artérielle, la pression artérielle, la température. You can buy from the drugstore. You say that all this can we can know that only with technology. How yes. Blood yes. circulation. Yes. Ok, c'est par la technologie en fait qu'on a des accès à sa santé. On n'a plus besoin. So, what about practitioners in shiatsu? Because if you have all this through
the technology, you don't need any people. Si vous avez si vous arrivez à voir tout ça à travers la technologie, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous donner des séances. Western medicine doesn't need treatment because the technology advances. La médecine, tu peux traduire, Judith, j'étais en train de faire rentrer quelqu'un. Eh bien, écoute, je n'ai pas compris, malheureusement. Western medicine, they don't need any treatment because the technology advances. Ok, à cause de l'avance technologique, la médecine occidentale n'a pas besoin de traitement. Eastern medicine, when technology advances, they need more Eastern therapist. Alors qu'au contraire, la médecine orientale a plus besoin de thérapeutes. Just like a touch. Mm-hmm. Simplement comme le toucher, par exemple. Toucher. Yeah. Mm-hmm. Touch cannot be replaced by machine. Of course. Le toucher, on ne peut pas le remplacer par. Why? Pourquoi? Touch is so subjective. Parce que c'est tellement subjectif. Subjectivity cannot be replaced by objectivities. La subjectivité ne peut pas être remplacée par l'objectivité. Such as machines, such as Western medicines. Yeah. Okay. So, actually, I'm so excited. Alors, je suis très content actuellement, en ce moment, maintenant. When I think about this, I cannot sleep. Parce que quand je pense à ça, ça m'empêche de dormir. Middle of the night, I wake up. Je me réveille au milieu de la nuit. And trembling. Et je tremble. How much I'm so blessed. You know. Je suis tellement béni de la situation, content. Yeah. So, please, you have a huge future. Donc, s'il vous plaît, envisagez bien que vous avez un immense futur devant vous. And especially this chaos. Et spécialement ces And people are changing, and they have to change. Les gens sont en train de changer maintenant. And the tremendous chaos, really people are so nervous and so scared, so fearful. Il y a des gens qui ont très peur de tout ça, justement, de tous ces changements. Mm-hmm. They need somebody to come to them to be touched. Mm-hmm. Et là, ils ont vraiment besoin que quelqu'un vienne vers eux, touche. Human cannot survive without touch. Mm-hmm. En fait, l'être humain ne peut pas survivre sans le toucher. So, this is my, excitement, and this is the reason why I'm talking to you, that you have a great, great opportunities waiting for you. Et c'est pour ça que je suis si content d'être là et de vous parler, parce que vous avez devant vous une immense opportunité. Pour vous développer. Thank you. Ohashi, thank you very much. Thank you so much. Great. Thank you for all this. Yes. Bien, alors nous avons donc du travail sur la planche et c'est tant mieux. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà commencé, qui ont déjà repris. Je ne sais pas si ça a été facile, si c'est en route, si c'est bien établi, mais en tout cas, on sait maintenant que beaucoup de personnes ont besoin de nous. Que ce soit le personnel soignant, le personnel médical, mais aussi les personnes qui se sont retrouvées seules ou dans des situations précaires et difficiles, ou des personnes âgées, ou des personnes responsables d'autres personnes. Et nous avons vraiment un rôle, je pense, important à jouer. Je me propose, avant de continuer, de vous présenter, puisque c'est la première fois, notre équipe française, les différents enseignants et assistants. Je vais demander à chacun d'entre eux de parler d'eux-mêmes en quelques mots, juste pour se présenter et que vous sachiez un petit peu que cette école française qui existe maintenant depuis 10 ans a maintenant une petite équipe pour la soutenir.
Donc, je vais d'abord m'adresser à mon collègue Bruno et je vais lui demander de dire en quelques mots comment il est arrivé à l'Ouachetsu et quel est son rôle dans l'école. Je te remercie, Bruno. Mets ton micro, s'il te plaît. C'est mieux avec le micro. Voilà, c'est bonsoir, mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci OHSNC de ces belles paroles, des bonnes paroles qui vont faire en sorte que l'on puisse continuer et progresser dans notre pratique et enseignement de l'Ouachetsu. Parce que c'est aussi intéressant pour nous de prendre ces mots pour notre enseignement. Je suis Bruno, j'ai commencé l'Ouachetsu en 2009 suite à des pratiques d'aïkido qui m'ont amené à l'Ouachetsu. Que dire d'autre ? J'enseigne avec Véronique depuis 2014 et je connais certains d'entre vous et certaines surtout. Et comment je suis heureux de pouvoir être là parmi vous et puis pouvoir continuer à enseigner, même si on arrive à le faire par Internet. Le toucher, c'est important pour nous. Hein. C'est sûr que c'est très important pour nous, le toucher. Et ça nous manque. Moi, ça me manque personnellement. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Pressé de vous revoir. Hein. Et je vais laisser la parole à Sylvie, par exemple. Je la vois sur mon écran en haut à gauche. Bonjour tout le monde. Sylvie Rock, moi j'ai commencé l'Ouachetsu en juillet 2014. J'ai eu la grande chance de commencer avec Sensei Ohashi et ça m'a vraiment motivée pour continuer cet apprentissage. J'ai été diplômée en 2018, donc en 4 ans de temps. Et depuis 2018, j'ai pris une petite année sabbatique pour me poser de tout ce que j'avais appris, parce que c'était quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et il fallait laisser un temps pour digérer. Et depuis septembre 2019, donc je suis rentrée en tant qu'assistante dans l'école d'Ory Laville, où j'avais commencé donc à prendre mon rôle à cœur et à aller aider donc Véronique et Bruno dans leur enseignement, revoir des cours avec eux. Et puis bon, malheureusement, il y a cet épisode coronavirus qui a un petit peu tout stoppé. Et je suis très heureuse d'être là avec vous en visioconférence parce que c'est déjà... Sylvie, je vais peut-être couper un peu parce que sinon ça va prendre trop de temps si chacun... Je te remercie beaucoup. Je voudrais dire quelques mots en anglais aussi pour nos invités parce que je vois qu'il y en a qui ne sont pas français du tout. Donc, I just want to say that Bruno, who is the first who spoke, is my colleague. We are working together for now 10 years. And I am very happy because... He's like the young part of the duet, and I am the yin one. Maybe we can say that we are different, and it's very good to work together. We are completing one each other. Then you have Sylvie, which is a COC, just a new COC, and thank you Sylvie to join. And now I will ask Sandrine, which is our first COC. She is living far from Ory Laville, where is the school, and she did all the travel to go to the school during a lot of years, and now she is COC. Okay, Sandrine, si tu veux bien te présenter, merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Très bien. Voilà, et bien contente de vous retrouver, même par ce biais, c'est très sympa. Donc Sandrine Renaud, je suis donc certifiée au Ouachetsu depuis un peu plus de 3 ans et je suis COC depuis 2 ans et demi. Donc je donne des séances sur Reims et j'assiste les enseignants dans les différents stages dans lesquels je me rends. Et lorsque c'est possible, j'anime des pratiques guidées, donc soit sur Ory, soit sur Reims. Voilà, j'ai découvert le Shiatsu grâce à ma longue pratique sportive. C'était pour moi un moyen très efficace pour évacuer les courbatures et gérer le stress avant les compètes. Et donc, j'ai suivi
j'ai été très intéressée par la pratique d'Ohashi, parce qu'en tant que pratiquante d'arts martiaux, son travail spécifique sur l'Uhara était extrêmement important et intéressant. Voilà, donc j'ai été formée par Véronique à Aury-la-Ville et j'ai obtenu mon diplôme 3 ans plus tard, en 2016, à Bari, en Italie. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Tu peux à combien est Reims de kilomètres d'Aury-la-Ville? 120 kilomètres d'Aury-la-Ville. Okay. 100 kilometers. She's living 100 kilometers from Aury-la-Ville. I just want to say that Aury-la-Ville is a very small village close to Paris. And but now we have a great team. And if you want to join, we will be very happy to welcome you. Donc nous sommes à Aury-la-Ville. C'est une petite ville, un petit village, on pourrait dire, de 3000 habitants à côté de Paris. Nous sommes très heureux d'accueillir qui veut. C'est un endroit très calme, c'est très, très agréable, c'est la campagne. Et nous avons une bonne petite équipe maintenant qui sera ravie de vous accueillir. Et maintenant, merci Sandrine, merci beaucoup d'être venue de Reims régulièrement, d'avoir fait tous ces trajets juste chez nous et de continuer encore. Ça me touche particulièrement. Avec plaisir. Et maintenant, je vais donc céder la parole à Tiziana. Bonjour Tiziana. Bonjour, bonjour tout le monde. Heureuse bien sûr d'être là. Je vais être très brève. Moi, j'ai commencé par la danse. Donc, c'est vrai que je suis dans le corps depuis de longues années. Et j'ai eu la chance, en fait, comment je suis venue à l'Ohashiatsu par Véronique, justement, qui s'est rendue au Burkina Faso où j'ai résidé pendant 10 ans. Donc, c'est au Burkina Faso que j'ai découvert le Ohashiatsu et c'est magnifique. Donc, je remercie Véronique, bien sûr, parce qu'elle est arrivée au bon moment dans ma vie. Et après, j'ai eu la chance donc, de faire la formation en faisant beaucoup d'allers-retours du Burkina à Paris où j'ai eu aussi Rosana qui est ici présente et que je remercie aussi comme enseignante. Et puis voilà, ensuite j'ai continué mon chemin au Burkina Faso. Ensuite je suis rentrée en Italie, j'ai à Turin. Donc j'ai accompagné l'école, on va dire, de Turin avec Domenico et Giampiero. Et maintenant je suis de retour en France, donc je rejoins à nouveau l'équipe française. Merci Laurent. Et merci Ohashi, merci beaucoup. Merci Tiziana. In a few words in English, because it's a little particular, it's a story. Tiziana was living in Burkina Faso, and I had the opportunity to go there, and I meet her there because she's a dancer, and I am a dancer too, and so I wanted to see a little dance in Burkina Faso, and I met Tiziana, and I wanted to propose Ohashiatsu in Africa, because I know there's not so many people that can do that. So I came 2 years, one or 2 weeks, and I could practice there. And I'm very happy because now Tiziana is in France and she can as a COC. Wonderful. And it's a great, great opportunity. Et encore une fois, merci Rosana qui est toujours là pour nous aider pour l'enseignement. Once more, thank you Rosana, because she's everywhere. Yes. Merci beaucoup Tiziana, et pour terminer je voudrais donner la parole à Dominique qui est en Belgique, qui est assistante et qui se joint à notre école. Est-ce que tu es là Dominique? Tu m'entends? Oui, très bien. Voilà. Donc moi je m'appelle Dominique, je vis en Belgique, j'ai commencé le Ohashiatsu en 2010 en Belgique avec le docteur Karine Favres à l'école de Shiatsu de Louvrange. Et puis, j'ai rencontré Ohashi à Paris lors d'un séminaire diagnostic oriental. Et très séduite par le séminaire que j'ai suivi avec lui. Et donc, j'ai décidé de monter sur Paris pendant 3 ans pour faire toute la formation. J'ai eu beaucoup d'enseignants différents, énormément. Des Français, des Italiens, j'étais en Italie, j'étais en Guyane, j'ai pas mal voyagé avec le Shiatsu.
Et vraiment, je suis tombée dans la marmite et j'adore. Et voilà, j'adore donner, ça me manque énormément. Je recommence cette semaine et je suis vraiment contente de recommencer à travailler parce que les gens sont vraiment très, très forts en demande et c'est important de pouvoir toucher les gens vraiment. Donc voilà, merci Washi, merci à tous mes enseignants. Thank you so much, yes. So Dominique is from Belgium, and just in a few words, she loves Hwashiatsu. She travels all around the world to be taught, and yes. That's one of the great power of the Hwashiatsu. It's all around the world, and we can change, we can meet and see different teachers, and this is really very nice thing. Okay, merci beaucoup, Dominique. Je vais rebondir là-dessus pour dire que l'intérêt de... Peut-être couper le micro, ceux qui arrivent là, parce qu'on entend du bruit. Je ne sais pas si je peux le faire, peut-être. Excusez-moi, c'est une première, donc je découvre. Donc, juste pour dire que l'Hwashiatsu est avant tout... J'entends du bruit, je ne sais pas qui. L'intérêt de cette pratique, c'est que nous avons des enseignants un petit peu partout et que la richesse de cette pratique, c'est que nous n'avons pas un seul enseignant, mais plusieurs. Est-ce que tout le monde a coupé son micro? Merci. Voilà. Profitez de cette pratique pour vous confronter et rencontrer surtout différents enseignants, différentes manières. Allez en Italie, il y a un vrai vivier là-bas d'enseignants depuis des années. Allez en Autriche, allez en Angleterre. Nous avons Caterina qui est ici. Hello Caterina, she's from England and she's beginning as a teacher. So please come and join her. She will be very happy to receive you. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller rencontrer Caterina. Elle m'a donné la grande opportunité d'aller enseigner en Angleterre avec elle. I teach with you, and it was a great pleasure beginning one, and I hope we will do beginning two, but with coronavirus, it was not so easy. Nous espérons faire le débutant deux, mais avec le coronavirus, c'était pas facile. She will be really a great teacher. I say she will be because it's just beginning, but she is a great teacher, and please join her in English, in England, and in English, and in Italian, because she is bilingual. She can speak two languages. Ok, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons un autre enseignant qui malheureusement n'a pas pu venir. We have another teacher, COI, unfortunately couldn't come. Is David Milro. David Milro, who translated the last book of Ohashi. David, qui a traduit le dernier livre de Ohashi. Yes. Qui a son école en Bretagne, non pas Grande-Bretagne, en Bretagne. He has his school is in Brittany. And he teaches there. It's a wonderful country also, and it's an opportunity to see other country Hwashiatsu and meet different people. So please join David and visit Brittany. Alors s'il vous plaît, rejoignez David et allez visiter la Bretagne, c'est un pays magnifique. Voilà, je vais vous proposer pour continuer une petite méditation afin qu'après toutes ces paroles, nous puissions un peu nous recentrer. Et je vous propose donc de vous asseoir le plus confortablement possible. Please sit comfortably and close your eyes and just connect you to yourself. Connectez-vous à vous-même. Trouvez une position confortable. Relax your shoulders, relâchez vos épaules. And take care of your breathing. Contactez votre respiration. Sentez-la naturelle, ne forcez rien. Just listen quietly to your breathing. Don't force, don't do anything. Et sentez que progressivement, au fur et à mesure de votre respiration, votre esprit se calme et votre corps se détend. And with going on with your breathing, just feel your body relaxing and your mind being quiet. Feel your legs very heavy against the floor. Sentez vos jambes très lourdes
contre le sol. As if they were going deeper and deeper in earth. Comme si progressivement dans le sol. Comme si elles allaient rejoindre le centre de la terre. As if they were going toward the center of the earth. Feel the density of the earth. Feel the dark. Feel the temperature inside the earth. Sentez l'obscurité, la densité, la chaleur de la terre profondément. As if you were growing until the center, comme si vous descendiez dans vos racines jusqu'au centre de la terre. Each time you exhale, each time you go deeper toward the center of the earth. Chaque fois que vous expirez, vous descendez vers le centre de la terre. And now you will feel the energy growing up toward the ceiling. Et maintenant, sentez l'énergie qui va monter vers le ciel à travers votre corps. Through your body. Until your hara, jusque dans votre hara. And then, along the spine, until the bottom of your head. Et ensuite, le long de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête. Sentez cet enracinement dans la terre et cette énergie qui vous pousse vers le ciel. Feel your legs inside the earth and this energy which push you toward the ceiling. Just breathe quietly with this sensation. Simplement respirez tranquillement avec cette sensation. Feel the air, feel the space around you. Sentez l'air et l'espace autour de vous. Sentez l'énergie de votre corps avec ses racines et ses branches, comme vos bras qui s'étirent dans l'espace. Just feel how if you were a tree with your deepness and with all the energy in the branch toward the ceiling, toward the sky. Just relax your shoulder. Just feel strong. Simplement relâchez les épaules et sentez-vous fort. Just feel present. Sentez-vous présent. Here I am. Ici je suis. Now I am. Maintenant je suis. And if I am here, it's because I have something to do there. Et si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire ici-bas. Just bring the power inside of you to do all that you think is good for you to do. Prenez la puissance à l'intérieur de vous
pour faire ce que vous sentez qui est bon pour vous de faire, and to do it for the others, et également de le faire pour les autres. Feel that you can spread out peace, health, and love. Sentez que vous pouvez répandre autour de vous la paix, la santé et l'amour. And now quietly, go back to your breathing. Retournez lentement sur votre respiration. Reprenez-en conscience. Put one hand in the other. Mettez une main dans l'autre main. Gardez les yeux fermés. Keep your eyes closed. And just quietly and very gently do a kind massage inside the center of your hand. Et avec beaucoup de douceur et de délicatesse, massez le centre de votre paume. For those who know, pour ceux qui connaissent, maître cœur numéro 8. Mastro di cuore numero 8. Je m'excuse, je ne me souviens plus en anglais. J'ai fait beaucoup d'italien ces derniers temps. Heart constrictor number 8. Just breathe inside this point and just feel all the anxiety and all the fear going out and away. Et simplement en massant ce point, sentez toutes les peurs et les inquiétudes qui s'évanouissent. And please practice on this point regularly, actually, on the person you meet, everybody, every people you meet. Et s'il vous plaît, pratiquez sur ce point régulièrement, également sur les personnes que vous rencontrez. Or help them to know how to do it. Ou aidez-les à apprendre comment le faire sur elles-mêmes. Breathe quietly, respirez tranquillement. And gently open slowly, slowly your eyes. Et très lentement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Pour continuer, je vais demander à Bruno de nous proposer un petit exercice d'étirement, de dos-in, pour se réveiller un peu, parce que tout ça, c'est très bien, mais je pense que nous avons avant tout un corps, et que la première chose, c'est de le mettre en route. Thank you very much, and now we will go, and because I think body needs to move now. Yes. Merci beaucoup, à toi. Excusez-moi pour avoir fait tomber l'ordinateur. Il fonctionne encore, c'est bon. Je vais vous demander, si vous voulez bien, c'est de vous lever. Est-ce que vous avez la possibilité de vous lever, de prendre un petit peu de place pour, c'est possible? Peut-être pour ceux qui entendent. Si tu peux peut-être traduire Véronique en même temps, s'il te plaît. Ok, donc moi je ne vais rien faire, je te traduis, ça sera plus simple. Voilà. Donc, nous avons été confinés pendant 2 mois et demi et on s'est tous renfermés sur nous-mêmes, en fin de compte. We have been at home during 2 months, and finally it was like we just feel a little bit inside ourselves and no more outside, but very inside ourselves. Yes. Pour beaucoup d'entre nous, et puis la peur s'est un peu installée au niveau la peur d'attraper ce virus, que nos familles, notre entourage puissent attraper cette maladie. And for a lot of us, fear for
our parents, our friends, and for ourselves too. Voilà. Donc, cette énergie est restée bloquée. Et on a tous vu qu'on était, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pratiquement beaucoup de personnes étaient assez renfermées, remises bloquées, les blocages. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à ouvrir et à créer une ouverture au niveau de toute cette cage thoracique là, qui est fermée, bloquée. So we need absolutely to open our chest because a lot of us were very close in this part of the body during these months. So now we have to breathe and to open. Donc je vais vous proposer de vous mettre debout, de mettre vos jambes de la largeur de vos hanches ouvertes. With legs large as your hips. Bassin. Les hanches. Les hanches, hips, ok. Ok. Et là, vous allez mettre vos mains dans la position, dans cette position. Attendez, est-ce que vous arrivez à voir? Je recule un peu plus peut-être. Dans cette position. On voit juste jusqu'à ta taille, jusqu'à tes hanches, voilà. C'est bon? Voilà, dans cette position. Et là, vous allez prendre, inspirer par le nez. We breathe from the nose. Inhalez. Essoufflez en faisant descendre le souffle par le bas, par la bouche. And you exhale with the mouth. Maintenant, vous allez, en deuxième exercice, vous allez prendre, mettre vos mains au niveau du hara, les deux mains dans cette position, au niveau du hara. Et là, en inspirant, vous allez monter les mains et bloquer l'inspiration 2 secondes et redescendre. You lift your hands, then you block your respiration just 2 seconds, and then you exhale, and your hands are going down. Once more, you breathe in, lift your hands, 2 seconds, and then you breathe out. And put your hands down the floor. Et tout doucement, on va venir taper sur le méridien du poumon, le point numéro 1, et descendre. From first point of the lung, go down to the end. Et remonter sur le gros intestin. And come back through. Big intestine. Et on va bien insister sur le point du gros intestin. And then on the shoulder. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pensez à bien respirer. Breathe in and breathe out. Secouez un petit peu. Et là, vous allez prendre votre pouce et votre index. Take your thumb and your index. Sur poumon 1 et poumon 2 et faire un petit massage en respirant dans un sens et dans l'autre. Changez de côté. On lung 1 and 2 and circle away in a sense and in the other. Et on va changer de côté. Breathe deeply. Change side. If you need to yawn, do it. Si vous avez besoin de bâiller, n'hésitez pas.
Et pour terminer, nous allons mettre une main sur le hara, une main sur Maître Cœur, 17. One hand on hara and one hand on the plexus solar. On ferme les yeux. Close your eyes. On respire et on pense au bel avenir qui va nous arriver. And breathe in and out and just think about the future, nice future with this coming on to you, to us. Tout doucement, on réouvre les yeux. Open your eyes. Et je vous remercie beaucoup. And thank you very much, everybody. Merci Bruno. Bien, je vais pour terminer m'adresser essentiellement aux étudiants. I will speak to our students, but everybody is welcome to hear about that. We don't know exactly how we will go on, when we will go on with the courses. Nous ne savons pas encore quand est-ce qu'on va reprendre les cours. We hope it will be during summer. We have two courses to do. On espère que ça sera pendant cet été. Vous serez tenu au courant, you will be informed. Of course, in September, I hope everything will be okay. J'espère bien sûr qu'en septembre, tout sera okay. Je voudrais surtout dire à ceux qui avaient prévu de nous rejoindre pour les 10 ans de l'école, I want especially tell to the people who wanted to join us for the 10 years of the school that we will do it next year, I hope, exactly at the same dates in April. Je pense qu'on le fera exactement à la même période en avril l'année prochaine. Because everyone was available to do it at this moment, parce que tout le monde était disponible à ce moment-là. It's nice days coming, ce sont beaux jours qui arrivent. And for us, we have the opportunity to have a different rooms to do a nice course. Et nous avons l'opportunité d'avoir de nombreuses salles à ce moment-là pour faire le cours. Que vous dire d'autre? J'aimerais qu'on fasse un petit temps d'échange parce que tout le monde se pose la question de la reprise. Je sais qu'il y en a qui ont repris les séances, il y en a qui n'ont pas encore repris. C'est peut-être le moment de, en quelques mots, hein, on ne va pas faire un débat d'une heure là-dessus, mais qui a repris, qui peut donner quelques conseils et qui a des questions à poser par rapport à ça. Donc, according to the doing treatments, I know some people do it now for some days, maybe 1 or 2 weeks, and other didn't do it actually. Maybe you have some advices to give to the others, and how does it work? Comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui donnent des séances? Quelles sont les solutions les plus simples? En quelques mots, ce sera mieux. Simplement, ceux qui pratiquent, peuvent-ils dire comment ils font pour que ce soit simple et safe? Et en toute sécurité. Can you say how you practice in a safe way and in a simple way? So please put on your micro. Vous pouvez rallumer vos micros pour ceux qui ont envie de partager leur expérience. For those who want to share their experience through that. Alors peut-être Bruno, tu vas commencer puisque je sais que tu as repris. En quelques mots, bien sûr. Oui. On va pas. Voilà. Donc, moi, ce que je demande aux personnes, bon, bien sûr, les personnes qui viennent ne doivent pas être malades, hein, bien entendu. Je leur demande, c'est de venir avec une serviette de bain. Alors, Bruno says that people have to come. Redis-moi la première chose juste. Ah oui, they mustn't non, be here, of course. They mustn't be here. Pas de problème. Okay, and they bring with them a towel, a big towel. Voilà, une serviette. Serviettes de bain, des vêtements qui viennent avec leurs vêtements se changent dans mon lieu de pratique. Avec and they change their clothes in the place where they will receive and they have a mask on the face. Et à la fin de la séance, ils se rechangent en mettant leurs affaires dans la serviette et dans un sac en plastique que je leur fournis. And at the end, they put their clothes in the towel they brought, and et ensuite dans la serviette et ensuite tu as dit dans un sac en plastique. And then in a plastic bag that Bruno gives them.
Et je leur demande, par contre, c'est de se retourner. Je ne les retourne pas, je leur demande de se retourner. Mm-hmm. And as you know, in Oashiatsu, we move the person from back to side, to front, to and not at that moment. Bruno asks the person to change by herself the position. Et Bruno dit, c'est pas lui, exceptionnellement, alors qu'on le fait en Oashiatsu, qui va changer la position de la personne, mais il va demander à la personne de se retourner et de changer elle-même de position. Okay. Et du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains à la suite. Hydroalcoolic on the hands, at the end, at the beginning, after the session. Et c'est bon, et ça se passe bien. Ça se passe bien. And everything is okay this way. Merci Bruno. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un veut donner son conseil? Oui, Sylvie? Alors moi j'ai investi dans des draps jetables. Sylvie brought a sheet that you can throw away. Donc j'utilise un drap qui recouvre complètement le futon par personne. On the futon for one person. Ah. J'ai un petit peu limité l'utilisation des coussins. No more cushion. Un tenugi, ça je le faisais déjà, mais encore plus à chaque personne. And a tenugi for each people. Comme Bruno, je demande aux personnes de venir avec une tenue propre et de se changer ici. As Bruno, I am asking them to come with a clean clothes and they change themselves in the room. Alors gel hydroalcoolique avant la séance. Gel hydroalcoolique on the hands before. Masque pendant la séance. And mask during the treatment. Pour moi aussi, je porte aussi le masque. Also me, I'm wearing the mask. Et bon, donc comme le drap, moi je ne suis pas comme Bruno, comme j'ai le drap qui prend toute la superficie, je peux retourner les personnes, je peux continuer à faire les transitions. As I have a big sheet, I can do the transition by myself to the person. Ce n'est pas un manque de place, hein, Sylvie. Ce n'est pas pour un manque de place. Hein. C'est pour It is not because I have not so much place. It's just to limit the contact. Et par contre, vu qu'il y a le port du masque, je ne touche pas le visage. And of course, I don't do a massage on the face because of the mask and maybe because also for safety. Et bien sûr, pour la sécurité et à cause du masque, je ne fais pas de massage au niveau du visage. Je ne donne pas d'oashiatsu sur le visage. Ok, Sylvie, merci beaucoup. Is there someone who wants to add something? Oui, Norio. Yes. Norio va... And Ohashi. Yes. Okay. This is a very good advice you gave, but I want to give more. Alors, je vais vous donner plus d'informations encore. When you are changing seats or towel or whatever, do in front of the client. Ah, quand vous changez le drap, quand vous changez la serviette, faites-le devant le client. To see is to believe. Parce que voir, c'est croire. People are so happy to see you are very, very careful this sanitizing because you are showing to them. Les gens sont vraiment très contents de le voir parce qu'ils sentent que vous êtes responsable. The other advice is a scarf, for example. You can personalize a scarf each client. Alors aussi pour le scarf, l'écharpe, le tenugi, vous pouvez le personnaliser pour chaque client. Mr. Smith, he comes, you put his scarf in the plastic bag. When he comes, you use for him only. Alors, à la fin de la séance, vous lui donnez son écharpe. Il la met dans le sac plastique et quand il revient, c'est la sienne et il la ramène. He feels so happy. Il va être vraiment ravi. Because he believes he is a VIP, very important person. Parce qu'il pense qu'il est une personne très importante, une VIP. Anyway, this sanitizations and a safety or cleanness
please over-exaggerate. S'il vous plaît, tout ce qui concerne ce nettoyage, cette désinfection, s'il vous plaît, exagérez cela. Okay. That's my advice. C'est mon conseil. Thank you, Ohashi. Thank you very much. Thank you. Norio, vous vouliez dire quelque chose? Norio wants to say something. Ah, yes. Thank you very much. And now I live in Montreal, Quebec, Canada. J'habite au Québec, au Canada. We reopened our salon from this week. On a recommencé depuis cette semaine à donner nos traitements. So everything is, how can I say, there is the guideline and the instruction from the government. Alors, tout ça, ce sont des instructions du gouvernement. Yes, for the protection, not to propagate the virus, and also sanitization, and how we need to check the symptom of the patient, mm-hmm. etc. So, à la fois pour la sécurité et pour que tout ça reste dans les règles et pour éviter effectivement des contaminations. So I put the link for the guideline of the Quebec government to the if you see the chat on this screen. Ah, il va le mettre sur le chat. Vous allez voir le lien du gouvernement, ce qu'il propose de faire. Norio, do you use someone is asking? Do you use an head thermometer? Est-ce que vous utilisez un thermomètre pour la tête? No, we never allow the patient who has a symptom or a fever. So before getting the reservation, we confirm them. Ok. Alors bien sûr, on ne prend personne qui soit malade et avant le rendez-vous, on veut une confirmation qu'ils ne sont pas malades. Mais on n'utilise pas de thermomètre. Pour comprendre la température. Non. So, we need to believe what they say. on doit croire ce qu'ils nous disent, hein? On doit avoir confiance. But the two-time confirmation, the first time before the reservation, and then second time is when they arrive to our salon. Alors, à la fois, on leur demande avant qu'ils viennent et en même temps, au moment où ils arrivent, on leur repose la question. So, if they have any symptom, we can't deal with them. Et bien sûr, s'ils ont un symptôme quelconque, on ne donnera rien. On ne donnera pas de sens. And then in Quebec, we need to prepare two masks, one for us, one for the client, medical grade. Ah oui. Yes. Au Québec, on doit préparer deux masques, des masques médicaux, un pour nous et un pour le client. And then therapists need to wear such things, face. Et on peut porter ça aussi, une visière. It's beautiful because we can see your face. Je trouve que c'est beaucoup mieux, on peut voir le visage. So that is the protection for our eyes. Ça, c'est une protection pour les yeux. Yes. And then, of course, we need to change the sheets and also our bed one, the clothes, for every patient. Et à chaque patient, on doit changer le drap et notre propre vêtement. And then do the sanitize with the over 60% of the alcohol or the disinfectant. Et bien sûr, toutes les pratiques désinfectantes avant et après. Okay, thank you very much, Norio. Maybe you can send us the link. Oh, okay, yes. Ohashi. Thank you so much, Mr. Tomita-san. Merci beaucoup, Monsieur Tomito-san. Julien. Thank you. This government request is a minimum. Ça, c'est la demande de ce gouvernement, c'est vraiment le minimum. You have to add more yourself. Vous-même, vous devez rajouter plus de choses. Please exaggerate how much you are putting effort to for sanitization or safety or receivers, clients, well-being. Montrez à quel point vous êtes consciencieux de toutes ces pratiques de désinfection et à quel point vous prenez soin de votre client. C'est très important. Thank you. Merci beaucoup. OK. Ok, merci beaucoup Ohashi, merci beaucoup à tous. Je pense qu'on ne va pas continuer très très longtemps. Je voudrais simplement
que nous prenions un petit peu le temps de penser que tout ce qui s'est passé actuellement, qui n'était pas toujours facile, qu'en arrière, derrière tout ça, à l'intérieur de nous, se passent de grands changements. Et je vous propose d'être à l'écoute de ces changements et un peu comme un artiste d'avant-garde qui va ouvrir des portes vers une autre manière de vivre, faisons-le nous-mêmes par une autre manière d'aborder le monde. Je vais essayer de traduire ça en anglais. I just want to say that with all this, all that happened during these 2 months, something different and difficult with fear and with not so good things, in background, inside of us, there are big changes going on. And just be attentive, just be careful to these changes. And like the artist who is opening the world with new way of moving, of painting, etc. Just be like that, opening another way of doing, of being toward people. Maybe we have a lot job to do with that. Peut-être qu'on a un gros travail à faire avec ça et qu'on peut être un peu des précurseurs là-dedans. Je voudrais vous remercier tous pour cela et j'espère que nous aurons une prochaine vidéoconférence. Je parlais au début de la séance avec Tiziana, nous échangeons un petit peu et je suis assez d'accord avec elle. Nous n'allons pas faire énormément de conférences. Je pense que le plus important, c'est quand même la relation directe avec l'autre. Mais peut-être nous nous retrouverons une fois tous les 2 ou 3 mois pour échanger, surtout en ce moment, tant que les choses n'ont pas repris. I just want to say that I was speaking with Tiziana before this meeting, and we thought that maybe we will use this wonderful technology, but the most important is to touch people. And this is going on actually with technology to exchange and to be together. But so we will go on with that. But I think it's very important to come back to the contact because a lot of people need that really, really. OK, je pense que nous allons clôturer là. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Si je peux rajouter quelque chose, Véronique. Oui, Véronique, si, tu veux, si je peux rajouter quelque chose. Bien sûr. Que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de discuter, de nous demander des conseils ou si on peut vous aider, nous sommes là pour ça. Bruno says, if you have any questions, anything you want to ask, any doubt, any, we are here, the school is here and we are here to help you. You can contact by WhatsApp, by SMS, by phone, by internet. We are here and please join us. We will be very happy to be with you. On sera très heureux de vous retrouver. Pour la suite, eh bien, nous verrons comment ça se passe. Je vois que Norio a envoyé donc le site. I can see that Norio sent the website of the government in the site au Canada. Donc, vous pourrez ouvrir et voir un petit peu quelles sont les instructions. Et surtout, bon courage, bonne continuation. Good luck for everybody. And ciao, Donatella. Sono molto contenta vederti. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Thank you so much, Ohashi, for coming for this first great meeting with video. Thank you to everybody and happy to meet you soon. Et je serai très contente de vous retrouver prochainement. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, on peut échanger entre nous si vous avez envie, mais ça sera de manière informelle parce que cette réunion est terminée. Merci beaucoup. Ciao tutti. Ciao Véronique. Ciao. Bonsoir. Ciao maestra. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Thank you. Bonsoir, bonne soirée à tous. Yes, very happy to ciao, see Sandrina. Yes. Grazie, Veronica. Merci grazie beaucoup. A tutti. Thank you so much. Ciao, Rossana. Yes, ciao, Donatella. Yes. Ciao, Rossana. Ciao, Bruno. Ciao, Dominica, Terina. Ok, see you soon. Allez, à la prochaine fois, tout le monde. Ciao, Bruno. Ciao, Bruno. A bientôt. Ciao, Bruno. Ciao, Sandra. Ciao, Veronica. Yes, big success. A presto. Yeah, you did a wonderful job.
Thank you, Ash. Very good job. Sensei. Thank you, Bruno. Thank you. À la prossima. Thank you. À la prossima. Okay. Soon. Wonderful to see you. À bientôt. Okay. All of you. Bye ah, bye. Merci, bye Rosanna. Bye. À bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ok. Ok, bah on se retrouve entre nous, c'est pas mal. Alors, qui est encore là? Avez-vous des commentaires? Je vois qu'il y a Alexandra, mais elle veut pas montrer son visage. Tu es là, Alexandra? Bon. Véronique? Oui, je t'écoute, Sandrine. Parce que moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait une prochaine visioconférence dans 15 jours, donc en fait, c'est pas ça. On n'avait rien décidé. Je t'avoue que moi, en fait, je ne sais même pas si je vais capter. Donc, si tu veux, il faudrait que je fasse des essais d'abord. D'accord. Avant qu'on fasse quelque chose. Mais j'enverrai, effectivement, je pense que j'ai les liens de tout le monde là. Je pense qu'ils sont enregistrés, je ne sais pas. Ok. Non, c'est pour. Je pensais que ça avait été déterminé, mais j'ai loupé pas mal d'infos. Je ne sais pas, Bruno est parti, mais je ne crois pas qu'on ait décidé quoi que ce soit. Non, il ne me semblait pas. Ok. Ben non. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, comment ça a été pour vous? Comment vous avez senti la réunion? Moi, je ne maîtrise pas l'outil Zoom, donc je découvrais en même temps. Donc, c'est un peu… j'ai tâtonné quand même. Mm-hmm. Mais non, sinon, je trouve que c'est pas mal. Il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas pu venir. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça, c'est vrai que ça serait bien, Véronique, peut-être de voir, ça vaudrait le coup, peut-être de demander à Rosanne, tu vois, puisqu'ils ont l'habitude de... J'y ai pensé, j'ai failli le faire pendant la séance, mais j'étais à la fois en train de traduire et de regarder les gens qui rentraient. Non, je ne pouvais pas, mais en amont, tu vois, pour qu'il n'y ait pas, en amont, pour qu'il n'y ait pas ce souci, effectivement, de s'identifier pour accéder. Parce qu'en fait, c'est de là, je pense, que vient le problème. Ouais. Oui, c'est de pouvoir avoir le lien direct. Alors, je suis d'accord parce que moi, je me suis connectée une fois à une conférence des Italiens avec juste les deux numéros. Je me suis connectée, ça s'est connecté automatiquement sans que je fasse un compte, etc. Donc là, même là, pour accéder ce soir, là, je n'ai pas compris non plus. J'ai été obligée de créer un compte aussi. De me connecter, sinon, et j'ai fait ça ce midi, c'est-à-dire qu'il faut, les participants, ils doivent le faire bien avant l'heure, en fait. Et c'est vrai que les Italiens, je ne sais pas comment. Du coup, aussi pour la diffusion, si tu veux, pour en parler autour, c'est beaucoup plus compliqué. Si on a envie, effectivement, d'élargir un peu, c'est plus simple s'il y a quelque chose de direct. Ils cliquent, ils sont dedans. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, on a perdu, mais vraiment, il y a au moins 10 ou 15 personnes qui n'ont pas pu rentrer. C'est quand même dommage. Après, Véronique, moi, si tu veux, après, soit tu vois directement avec Rosanne, je pense qu'elle sera disposée à... Ouais, je pense. À expliquer comment ça se fait, quoi. Si tu as le faire en anglais, ou alors si tu veux, tu me mets dedans et on le fait une fois toutes les trois, tu vois. Ah oui, ça serait top. Enfin, en ligne, tu vois, toujours. Oui, bien sûr. Ah oui, voilà. C'est une super idée. Après, on peut le faire via WhatsApp aussi. Comme ça, on le fait via WhatsApp, un appel vidéo via WhatsApp, on peut en même temps travailler et bidouiller, tu vois. On se fait un appel WhatsApp au téléphone et on bidouillerait. Exactement. Toutes les trois, tu vois. Si tu veux, pour la traduction, ou alors vous le faites en anglais, si pour toi, si tu vois. Voilà, sache-le en tout cas. C'est vrai que ça peut être un petit. Voilà. Ouais, puis en plus, tu vois, les étudiants, ils attendaient vachement ça, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas vu Wi-Fi et tout. Et puis pour toi, c'est difficile à gérer aussi parce que tu parles français, enfin, tu fais ta présentation, tu traduis en anglais, tu dois en plus faire entrer les gens. Et c'est compliqué, ça, je l'ai fait, c'est pas le souci, mais il y en a, j'ai vu les messages qui défilent. Oui, j'ai vu les messages aussi. Il y en a beaucoup. Puis j'abandonne, j'ai pas le mot de passe, je suis restée bloquée, aucune solution aboutie, ça fait une demi-heure que je suis là, enfin, tu dis mal. Ouais, bien sûr. Ouais, ben oui, bien sûr. Enfin, c'est comme ça. C'est la première. Bon. Hein. Voilà, exactement. C'est déjà pas mal. Voilà. Écoute, moi, j'étais ravie parce qu'on a eu quand même des personnes qui venaient de loin. On a eu une personne du Québec, une personne des États-Unis. On a eu Rosanna et Donatella qui venaient d'Italie. Enfin, c'était chouette, quoi. C'était chouette. Ouais, c'est
super. Voilà mes amis, bah, écoutez, un grand merci pour avoir été là. Merci tout le monde. Avoir soutenu tout ça, tout ce projet. Et puis, on se voit une prochaine fois. Je vous tiens au courant. Ok, bonne soirée. Coupe l'enregistrement. Okay. Salut. Salut. À bientôt.